Je vous l'annonçais il y a 3 semaines en vous proposant l'essai du nouveau F-Pace arrivé sur nos îles et qui bénéficiait d'une hybridation légère. Oui, Jaguar passe à l'offensive électrifiée avec cette fois-ci la présentation en Martinique du SUV F-Pace hybride P400i de 400 chevaux, 4 roues motrices couplées à sa boîte automatique en version Air Dynamic SE. Le SUV sportif Jaguar F-Pace profite d'un design plus affirmé avec un capot moteur sculpté, une calandre élargie, des feux arrière revus et un bouclier arrière redessiné. Le capot moteur sculpté est plus bombé. Le capot moteur lui donne une allure fluidifiée en réduisant le nombre de lignes fermées sur la face avant de la voiture. La calandre élargie présente une finition diamant inspirée de la tradition Jaguar et de son blason, tandis que les prises d'air latérales dans les ailes avant arborent la silhouette du Jaguar bondissant. Le bouclier aux prises d'air redessinées et fermées de mailles sombres renforce la présence dynamique du SUV F-Pace. La technologie premium fait partie des équipements de série sur l'ensemble de la gamme, à l'exception des finitions SE et HSE, pour lesquelles il est disponible avec l'option Auto Height Beam Assist. Le système utilise la caméra frontale de vision éloignée pour passer automatiquement de l'éclairage code en plein phare, épargnant tout éblouissement donc au conducteur croisé. Des quadruples projecteurs ultra minces à LED avec signature lumineuse de jour en double J sont disponibles en option avec la technologie Pixel LED. Ils délivrent bien une luminosité et une résolution vraiment extraordinaires avec la fonction adaptative Driving Beam qui analyse la route par anticipation et adapte automatiquement le faisceau plein phare pour estomper les projecteurs du trafic opposé et les signaux lumineux environnants. Le système donc sait moduler la forme du faisceau en sélectionnant les différents segments de LED pour optimiser la visibilité sans perturber les autres conducteurs. C'est juste le top. Les indicateurs de direction animés, l'Animed Directional Indicators pour Jaguar, sont disponibles sur toutes les versions sous forme d'options. À l'arrière, le bandeau lumineux, très mince, reprend la signature Jaguar en double chicane pour augmenter visuellement la largeur. Le design du bouclier et du haillon arrière, plus modulé, contribue à un design plus fort. La finition extérieure aérodynamique présente une situation et bien d'éléments spécifiques pour un style plus évocateur de performance. Le Drive Selector arbore dans sa partie supérieure une couture en balle de cricket, tandis que la partie basse est faite de métal finement usiné. Les contre-portes dotées d'une poignée de maintien à 360 degrés facilitent l'accès à bord, tout en améliorant la capacité de rangement de bouteilles par exemple. Les interrupteurs des vitres électriques auparavant sur le dessus de la porte ont été placés plus bas. Les sièges chauffants ou climatisés offrent une assise plus large et des fonctions de massage. Très intéressant dans la période, la Jaguar F-Pace propose l'ionisation de l'air qui a pour fonction donc d'améliorer bien sûr la qualité de celui-ci dans l'habitacle en faisant appel en plus aux nanotechnologies. Elle écarte les allergènes et les mauvaises odeurs. Ce système intègre une filtration qui élimine les particules ultra fines. C'est d'actualité.
Le Jaguar F-Pace dispose d'un habitacle davantage orienté vers le conducteur, d'un écran incurvé tactile à haute définition de 11,4 pouces, du système d'infodivertissement PV Pro Dual SIM Jaguar, de solutions de connectivité permanente et d'une fonction software over the air qui permet la mise à jour à distance des logiciels d'aide à la conduite et d'infodivertissement. La console centrale comprend un chargeur sans fil avec amplificateur de signal en option, l'écran tactile de 11,4 pouces donc en verre incurvé dans un cadre en alliage de magnésium permet de contrôler le système d'infodivertissement PV Pro, des garnitures boiseries en finition naturelle non vernis ou des plaquages d'aluminium, c'est le cas dans notre véhicule, aux formes galbées, enrichissent la partie haute des portières et courent tout au long du tableau de bord. Les haut-parleurs médium à la grille métallique travaillée au laser, mesdames et messieurs, et la commande rotative Jaguar Drive Control symbolisent vraiment l'attention portée à chaque détail dans ce Jaguar F-Pace. Notre Jaguar F-Pace P400i FEV dispose de 404 chevaux et de 640 Nm de couple généré par son moteur 2 litres 4 cylindres turbo-essence et son moteur électrique de 105 kW. Le F-Pace P400i accélère de 0 à 100 km/h en 5,3 secondes, c'est une vraie performance. Animé par une batterie lithium-ion de 13 kWh,6 d'ailleurs, le F-Pace P400i FEV revendique une autonomie en tout électrique pouvant aller jusqu'à 53 km. C'est donc une performance également. Un niveau d'émission de CO2 à partir de 49 grammes et une consommation à partir de 2,2 litres au 100 km. Vous voyez toute l'importance de l'arrivée de l'électrification sur ces modèles premium haut de gamme. Un chargeur rapide peut prodiguer 80% de charge en 30 minutes environ, tandis qu'une borne murale à domicile de 7 kW demandera seulement 1h40 pour ce même niveau de 80% de charge. Et bien pour ma part, je vous donne rendez-vous donc sur grandautomobile.fr pour avoir l'ensemble des informations sur ce modèle. Vous allez y trouver un article complet, vous allez y trouver la fiche technique et les tarifs bien entendu. Je vous donne rendez-vous aussi sur notre chaîne TV GT Auto sur YouTube qui approche les 2 millions de vues, tout simplement pour voir ces vidéos-là et puis tous les autres essais que nous réalisons dans l'année, il y en a à peu près 150 à 200, je vous le rappelle. Un nouvel événement donc nous arrive puisque nous créons une nouvelle émission qui s'appelle les experts auto moto arrivent sur Maxi qui est sur 107.1 et 107.3 FM en Martinique. Et bien un grand talk show autour de l'automobile avec deux chroniqueuses et trois chroniqueurs. Mais pour avoir tous les renseignements, allez sur grandautomobile.fr. Je vous dis à très vite pour un nouvel essai sur nos routes en Martinique.